Du haut de ses 158 ans, il est le plus vieux tramway d'Afrique. Et pourtant, il est flambant neuf. Le tramway d'Alexandrie a été entièrement rénové. Dans ses nouveaux wagons, de nouveaux services compensent l'augmentation des prix du ticket. Ainsi, pour une livre égyptienne, soit 5 centimes d'euros, on peut profiter d'un bar, regarder la télé ou bien lire les journaux. Les voitures du tramway avaient 50 ou 60 ans. En tant qu'opérateur, nous avons pris en considération les aspects techniques du tramway pour l'adapter au temps moderne. Véritable emblème d'Alexandrie, le tram ne transporte que 80 000 passagers par jour, un chiffre en forte baisse depuis des années. En cause, les nombreux croisements avec la circulation très dense dans la deuxième ville du pays. Pour faire revenir les Alexandrins, l'Égypte va donc poursuivre la modernisation avec le soutien de l'UE et de l'Agence française de développement. Objectif, réduire par deux le temps de trajet.